ASMR. Salut à tous, c'est Azal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo présentation d'un jeu. Oui, une vidéo. Ça déconne pas. Donc ce jeu c'est Manowar Corsair Warhammer Naval Battle. C'est un jeu un peu particulier qui rappelle Mountain Blade dans sa carte de campagne. Vous allez voir ça. Du coup c'est parti, on va commencer une nouvelle game. Je vais vous montrer les races jouables, donc les campagnes jouables et un peu ce qui est possible de faire dans le jeu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par une petite série de vidéos sur ce jeu. Quelques épisodes, ça sera pas un let's play, hein, mais de temps en temps, paf, petite vidéo sur Manowar, comme ça, tac, ça peut toujours être sympatoche. Du coup, allons-y, je me cale ici, je vais peut-être baisser un tout petit peu le son du jeu avant, j'ai pas fait de test, hein, encore, bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, voilà. C'est parti, campagne. Nous allons commencer une nouvelle campagne. Oui. Alors, on a le choix pour le moment entre trois campagnes. D'autres arriveront plus tard avec les mises à jour, mais pour le moment, on a le choix entre indépendant. Donc, voilà, c'est indépendant, tu fais ce que tu veux de ta vie, quoi. En apparence, on a homme ou femme. Voilà, on n'a pas le choix entre différentes races dans la section indépendant. On a aussi Khorn, le dieu du sang pour le dieu du sang et des crânes pour le trône, le seigneur du chaos. Et donc son gameplay est un petit peu particulier parce que vous ne pouvez pas accoster dans des ports. Vous allez comprendre ce de quoi je parlais après. Vous ne pouvez pas accoster sur des ports, du coup tout se fait en mer, vous pouvez faire des sacrifices etc. pour avoir des choses en échange, comme des équipements, des navires alliés etc. Et on a aussi Nurgle, hein, le dieu de la pestilence et de la dégueulasserie. C'est exactement le même système, sauf que vous avez les navires de Nurgle, vous propagez la peste dans les villages, etc. C'est pas mal du tout, mais nous on va faire un truc plus générique, on va rester indépendant pour le moment. Donc je vais prendre Homme, je vais m'appeler... Bazrat. Voilà, restons original quand même, un peu. Passer le tutoriel, oui, hein, parce que clairement... pour tourner le bateau, il faut tourner la barre. La tenue, on peut... Ah si, on peut la choisir pour eux, c'est vrai. Pour les autres, on ne peut pas. Pour les seigneurs du chaos, on ne peut pas. Alors, on a le choix entre plusieurs chapeaux. Hein. On va prendre le chapeau de capitaine, parce qu'on pèse, hein, on pèse bien dans le milieu. La tenue, on va prendre une tenue... Ah, elle est stylée, celle-là. Non, j'aime bien. J'aime bien celle-là. Tac, la vie passée. Alors, là, ça rappelle un petit peu Mountain Blade. Hein. La vie passée du personnage que vous créez dans Mountain Blade définit un peu vos statistiques, etc. Là, c'est pas le cas, c'est juste la difficulté. Mais, ça rappelle quand même quelque chose. Du coup, sûrement que le jeu veut se tourner vers ça à l'avenir. Et c'est pas dégueu. Alors on va prendre normal, hein, difficulté normale. Je vous laisse faire pause pour lire le petit texte. Ensuite on continue. Et là on a le navire. Le navire. Donc on peut choisir son nom et sa bannière. Donc la bannière, hein, comme je suis indépendant, je peux prendre un peu ce que je veux. Bon. Mais c'est surtout des trucs impériaux quand même, hein. Allez, on va prendre ça. La victoire ou la mort. Et le nom du bateau, ça sera... Putain, qu'est-ce que je suis naze pour trouver des noms. Ah, mais je bloque complètement, là. Comment on va appeler ce putain de bateau? Beauf
de France. Voilà, ce sera le... Bon, je suis désolé, je suis vraiment naze pour trouver des noms. Ce sera le profondeur de moule. Et puis voilà, allons-y. Et là, on est parti, on va voguer sur les mers du vieux monde. Oui, nous n'avons accès qu'au vieux monde sur le jeu. Pour l'instant, peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'on aura accès à d'autres... d'autres cartes, d'autres endroits de l'univers Warhammer. Donc pour ceux qui veulent s'intéresser un peu plus à l'univers Warhammer, parce qu'il est extrêmement riche, je vous conseille deux chaînes YouTube de Français qui parlent du lore. Ils parlent de, du monde, des races qui le peuplent, etc. Je vous laisse les liens des deux chaînes dans la description. Allez-y, franchement, on passe un bon moment à en apprendre plus chaque jour sur le lore de Warhammer. Nous y sommes. Putain, j'espère que le jeu est fluide, hein. J'espère que ça enregistre bien. Sinon, je l'aurai dans le cul. Alors, nous sommes dans un port. On peut faire plusieurs choses dans les ports. Tout d'abord, on a le charpentier naval. On peut acheter des navires, on a l'entrepôt pour entreposer des trucs. On peut réaménager les navires. Donc ça, c'est de l'équipement... voilà, hein. On peut rajouter des armes, etc. sur votre navire. On peut acheter des navires, et il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Alors, ça, c'est les navires un peu génériques de l'Empire et de, des races humaines, on va dire. Mais il y a des navires qui sont plutôt stylés, surtout côté orc et côté chaos. C'est pas mal du tout. Là, on a les différents marchands. Ici, on a un petit panneau où on a des missions disponibles. De toute façon, on en prendra une avant de partir, je pense. Alors du coup, sans le didacticiel, je sais pas avec quoi on commence. Ici, on peut acheter des armes, que ce soit pour nous ou pour l'équipage. Parce que oui, il faut aussi équiper son équipage. Avec du stuff. Eh ouais. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La taverne. Bah oui, la taverne. Dans la taverne, on peut engager des capitaines alliés qui vont vous épauler en mer, hein. Donc les navires alliés, vous pouvez y transférer de la cargaison ou de l'équipage aussi. Donc si vous prenez un navire allié par exemple, bah vous pouvez très bien échanger de bateau avec votre poteau. C'est bien si votre bateau est tout pourri quoi. Toi t'as pas sucé que des glaçons. Allons-y, sortons. Non, ça c'est un tour d'observation, pardon, excusez-moi. Ici, on peut récupérer des primes en fonction des navires qu'on a détruits. Donc là, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut trouver en mer, hein. Les morts-vivants, les disciples de Nurgle, de Slaanesh, de Tsench, de Khorn, on a les Skaven, les Orcs, les Elfes Noirs, les Pirates, mais il y a aussi les Hauts-Elfes, etc. Il y a vraiment pas mal de races, il n'y a pas toutes les races, loin de là. Mais il y a pas mal de choses à trouver en mer, quoi. Allez. Allô ? Ne me fais pas des trucs comme ça, toi. Et la musique est... La musique est absolument... Voilà. C'est... J'ai pas vu, il y avait le nom du bateau écrit au-dessus de la porte. Se rendre aux profondeurs de moule, c'est quand même atypique. Donc voilà le bateau de départ, hein, qui est un bateau en somme tout à fait classique. Un, deux mâts avec quelques canons sur chaque côté. Vous savez, j'ai rencontré un vieux marin. C'est taverne près des docks là-bas. Ah ouais, là, il nous dit qu'on peut aller prendre une quête, machin. Vous voyez, ça c'est un des navires de l'Empire. Et c'est la grosse Bertha sur un bateau, voilà. Là, vous voyez le gros truc devant, c'est un canon. Hein. Il sent plein d'or. Je vais vous montrer l'endroit où il estime avoir laissé. Ah d'accord, il nous montre gratos, en fait, l'endroit du trésor. Donc ça, c'est un canon. Voilà. Donc je pense que ça, c'est une première mission, un peu tuto. Enfin, même si j'ai désactivé le didacticiel, mais... mission un peu tuto. Et donc, c'est notre bateau. On peut... marcher sur notre bateau, se balader. Donc j'ai un fusil et une épée, hein. Ça, au départ, voilà. On a notre équipage qui se balade. Chaque membre d'équipage est une personne à part entière. Ce n'est pas un chiffre de genre 15 membres d'équipage, machin, puis mettre des mecs au pif. Non.
Chaque membre d'équipage a ses propres statistiques, a son propre niveau, son propre équipement, et ils peuvent mourir définitivement. Voilà. Du coup, attention, attention. Vous pouvez aussi engager des membres d'équipage spéciaux, tels des sorciers, des snipers, des archers pour les unités aériennes, car oui, il y a des unités aériennes, il y a des griffons, etc. Le second du capitaine, lui, il est mortel, je crois. C'est vraiment le gars qui va prendre la barre pendant que vous êtes pas là. Quand vous jouez avec un adorateur du chaos, quoi, un champion du chaos, vous n'avez pas de second du capitaine, du coup, quand vous vous barrez, il n'y a personne à la barre. Et si vous avez les voiles déployées, votre bateau continue d'avancer. Et du coup, vous pouvez vous prendre des rochers, très facilement même. Donc je pense qu'ils vont ajouter un système de second du capitaine. Mais qu'est-ce que... Mais... Qu'est-ce qui... Pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, on me tire dessus! Oh, merde! Non, calme-toi, voilà, merci. Excuse-moi, je pensais pas que t'allais te rebeller comme ça. Oui, parce que autre chose, votre équipage a une loyauté. Il a une loyauté. Il a des points de morale. Et par exemple, si vous les payez pas, ils peuvent se mutiner. Voilà. Et comme je lui ai tiré dessus, il a pas aimé, j'ai l'impression. Du coup, il m'aime pas trop, hein, non plus. Et là, on peut voir sur la carte en bas à droite que je suis face au vent. Du coup, je l'ai dans le cul. Ça va être hyper chiant à y aller. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus au nord. Voilà, être dans le jaune au moins. Ça va aller plus vite. Sinon, quand on navigue, on peut accélérer le temps. Du coup, plutôt bien. Hein, pour les longs trajets en mer, parce que je vais vous montrer la map aussi, parce que j'ai pas montré la map. Voilà. Donc là, nous sommes au golfe de Kislev, qui est vraiment au nord du vieux monde. Hein. Au-dessus, c'est glacé, de toute façon. Nous sommes ici. Nous avons accès à tout ça. Là, on a Brittany, hein, avec les Britons. C'est qui, ça? Alquesarodoc, je connais pas. On a les Stadia, d'accord. Donc on a pas mal de choses, mais ça s'arrête là. Alors je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut aller à l'autre continent? Ça m'étonnerait fort. En tout cas, on a quand même la bonne grosse côte ouest du vieux monde. Ce qui est déjà pas mal. En gros, on peut rencontrer la moitié des races présentes. C'est plutôt cool. Donc continuons vers le trésor que notre cher second qui vient de se prendre une balle dans la courge nous a indiqué. Hein. Allons-y. Arbore la voile qui se lévite, capitaine. Nous rapprochons pour répliquer. Ah, il y a un navire qui a l'air en difficulté. Bon, on va aller d'abord là-haut. Hein. Nous captons un signal de détresse. Vite. Allons-y. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Des pilleurs orques se dirigent vers Erengrand. Erengrand. Ces orques doivent savoir que la flotte principale a été poussée vers le nord pour faire face à l'invasion d'une vaste flotte du chaos. S'il vous plaît, arrêtez ces pilleurs. Oh putain, non. Oh, les orques. Ils sont où? Oula. Allô? Oui. Ils sont là-haut. Donc on va bugner ces putains d'orques. Enfin, on va essayer, parce que les orques, mine de rien... Voilà les orques, capitaine. Allez, c'est parti, il y a 4 navires, ça va être chaud.